Sonk Beast dans RuPaul's Drag Race. Là. Voilà. Y a-t-il des gens qui écoutent ça, RuPaul's Drag Race? Merci. Y a-t-il des gens qui écoutent en ce moment All Stars 8? Y a-t-il des gens qui ont écouté ma première saison de Canada's Drag Race? Ouais. Ben là, si vous n'êtes pas au courant, Jimbo, qui était dans ma saison, elle est en ce moment dans All Star 8. Puis je pense qu'elle va gagner. Je pense que oui. Ce qui est après la première Canadienne à ramener une couronne américaine, quand même, c'est pas pire, hein? J'ai essayé fort deux fois. Là, maintenant, j'ai compris. Là, moi, je participe plus. J'anime! Voilà! C'est bon, ça marche. Et on est content parce que je retourne en Belgique pour une deuxième saison. C'est bon, hein? Fait que là, j'ai un peu plus de temps que la dernière fois pour me préparer. Fait que je vous avertis tout de suite, mes ensembles vont être subtils, discrets et délicats. Là, on m'a amené soit un pot de questions ou un bol à vomir. C'est ce que je veux. Parfait. C'est le moment des questions. Êtes-vous là? Là, je vais vous dire tout de suite, mais je vais vous le répéter. Après ça, il y aura une petite pause. Et on va installer une boutique juste ici. J'ai amené plein d'affaires, là. J'ai amené des porte-clés, des t-shirts, des autocollants. J'en ai un nouveau t-shirt. Rose, écrit bonjour, hein, dessus. Voilà. Alors, ça sera juste là. Alex, elle pleurait. C'est quoi cette attitude-là? C'est qui, Alex? Elle était triste. Ben oui, mais là-dedans, ça veut pas dire que je vais la prendre. Là. Bon, Kentelly, vous êtes là? Je pense que j'ai pas demandé si on avait des anglophones ce soir. Do we have anglophones in the crowd tonight? You? But you speak le français, little bitch, quand même. Oui? What is your name? Cassandra? Dion? Comment? Nicole? Je sais que c'est Nicole comme Nicole Scherzinger. Mais c'est vrai que vous autres disent Nicole! T'as quel âge, Nicole? 34? Elle t'a vraiment un accent franco-ontarien, par exemple. T'es-tu anglophone-anglophone? Do you put the fun in anglophone? Oui? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais me parler de? Non? Oh, c'est trop vite, ça. Je t'aime, Nicole. Nicole, je t'aime en tabarnak. Faut les éduquer. On va leur montrer c'est quoi le vrai français, Chris. Okay. So, Nicole, thank you for being here tonight and for being a friend. And that's about it for the English part of the show. Okay. Thank you. Come again. And yes, I will have a steamed hot dog, all dressed, yes. And I want the steamed one, not the grill, because I don't have to, I don't like the crisp between my teeth. No, it makes me un crisp, justement. Okay. Okay. On est prêts? À quand le Ruta Show francophone, j'imagine francophone, qu'on peut écrire ici, au lieu de Belgique? Tu es la meilleure. OK. Ben, j'ai un show sur Crave qui s'appelle La drague en moi avec Sacha Baga et Pitu Leclerc. Et ça joue en ce moment à Canal Vie. Fait que j'en ai des. Mais mettons un RuPaul's Drag Race Québec, c'est mon rêve ultime. Mais vous savez, au Canada, on n'aime pas ça faire le même programme en français qu'en anglais ou deux versions différentes dans le même pays, tu sais. Parce que, aussi, le Québec a du talent. Ça, j'aimerais ça qu'il y ait ça. Je suis sûr que ça fonctionnerait. Tu sais, au Kachli, mamie, il y avait les talents bleus. Puis on envoyait toutes les couleurs. Ça, j'adorerais ça. Mais tant qu'il y a un Canada's Drag Race, je pense pas qu'il va y avoir un Québec Drag Race. Mais à quand? Ben, quand est-ce qu'ils vont me le demander? Je vais dire, tu sais pas plus compliqué que ça. Voilà! Voilà! Je vais dire que la question à date est meilleure que toutes les questions d'hier. Ça sera OK.
Où est-ce que vous vous procurez vos costumes? Je les adore. Oh, thank you, girlfriend. Is it uniform? Ben, merci. Les costumes, on en fait, la plupart, on les fait faire sur mesure. Là. Il y a des designers qui nous aident. Ça coûte très cher, tout ce qui est sur mesure. Les gens qui se sont fait faire des robes de mariée sur mesure le savent, ou des robes de bal sur mesure, ça coûte cher. Plus il y a des garnottes dessus, plus ça coûte cher. Plus il y a des détails, plus ça coûte cher. Fait que c'est ça. C'est des designers qui les font. Ou quand t'es comme Tracy Trash et tu as une taille de guêpe, tu peux t'habiller au Simons, puis ça passe. Pour vrai, Tracy, elle fait du moins 2 de taille. Fait qu'elle rentre dans toutes les chez Simons, ils ont des costumes maintenant. T'sais, ben, des costumes. Mettons des costumes d'enterrement de vie de jeune femme, là. T'sais, beaucoup de paillettes, un peu de tutu, tout ça. Fait il y en a qui sont capables de s'habiller dans les magasins grande surface. Moi, comme j'ai un format non traditionnel slash frigidaire, c'est un peu plus difficile quand même. Voilà. Voilà. On poursuit. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2 de RuPaul's Drag Race Belgique? Oui! En serais-tu animatrice? Ben oui! Voilà! OK. Ta couleur préférée? Ben, ça dépend. Rita, c'est rose, je vous dirais. La personne en dessous, Jean-François, ça se joue entre le vert et le jaune. Ça dépend de mon mood. Ou ce que j'ai envie de mettre dans mon hot dog. OK. Yes! Voilà. Qui est là où les dragues et personnalités qui t'inspirent? OK. Je dirais RuPaul pour sa carrière, tout ce qu'elle a amené pour les dragues. Mado Lamotte, qui est ma grand-mère et ma mère aussi. D'ailleurs, Mado aussi va sortir un livre cet automne. Elle, c'est sûr que ça risque d'être plus épais parce que elle, c'est une biographie puis elle a 105 ans. Fait que, il y a quand même du stock. Mais c'est fun là, qu'on soit rendu avec 2 dragues qui ont des livres sur les tablettes. Et pour moi, c'est une inspiration. Mado, elle a ouvert le chemin. Mais une autre de mes inspirations, c'est celle qui était là avant Mado, Gilda. Alors, ça paraît un peu dans mes looks. Des fois, je fais des petits clins d'œil. J'aime beaucoup son côté français chiant, irrésistible, quoi. Voilà. OK, on en prend 50. Vous êtes encore là? Oui! Allez, t'as mis ton petit rouge à lèvres. Hein? Oh, c'est beau. C'est quoi? J'ai pas vu de double tequila. Moi, j'étais encore là. C'est quoi? Ça goûte le poulet à l'ananas. La pizza hawaïenne, genre. C'est ça. Je peux-tu te le laisser? Peux-tu le mettre sur le banc? Oui. Merci, j'ai pas ça d'être qui, mais merci. Wouh! Wouh! OK. Comment faire sortir son fils du garde-robe? Oh, ça, c'est quand même une bonne question, hein? On va être sérieux une petite minute. Comment faire sortir son fils du garde-robe quand son père est homophobe? En fait, là, sortir du garde-robe, c'est personnel. Ça appartient vraiment à la personne qui veut et qui est prête à faire son coming out. Mais c'est sûr que comme parent, on peut vouloir aider, mettre la table. Si la personne qui a écrit ça se considère déjà comme une personne alliée, qui a le goût de faire savoir à son fils qu'elle le sait, t'sais. Ça peut déjà être une bonne première étape. Moi, je vais y aller plus personnel. Mettons, ma mère, j'ai jamais fait de coming out avec elle. Elle le savait. Mais elle me laissait savoir qu'elle le savait. Donc, ça facilitait les échanges. Puis, elle a été une bonne complice en mettant la table à plusieurs occasions, mettons devant d'autres membres de la famille en disant, « Est-ce qu'à Noël, tu vas venir accompagner? » Tu sais, au lieu d'assumer, « Vas-tu venir avec une petite blonde? » Non, c'est juste, « Vas-tu venir accompagner? » Ou si vous êtes bien wild, là, vas-tu venir avec un chum, une blonde, les deux? C'est quelque chose pour détendre l'atmosphère. Mais c'est sûr que c'est pas la responsabilité de votre enfant
de guérir l'homophobie de son père, là, tu sais. C'est plutôt au père de s'ouvrir, d'être... Tu sais, quand on aime son enfant, on l'aime comme il est, comme elle est. Et des fois, ça prend du temps à faire comprendre ça à la personne, à votre conjoint, dans le cas de la personne qui m'a écrit ça, ou son ex-conjoint. Mais tu sais, il y a des petites suggestions de films là, que vous pouvez regarder. Il y a des petits messages qui peuvent se transmettre. Mais je pense qu'être très clair et dire, c'est ton enfant, il n'a pas choisi d'être fabuleux, il est né fabuleux, aime-le comme il est, ça va se faire. Je vous souhaite que ça fonctionne. Comment as-tu choisi ton nom? Bon, histoire courte, moi je pensais faire ça une fois, mon vrai nom c'était Rita de Marde. Finalement, j'étais pogné avec ce nom-là un été de temps, puis à un moment donné, dans ce temps-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mado, elle m'a dit, change ton nom de famille, je vais pas imprimer le mot Marde sur mes flyers. Puis là, Madame Simone, qui était la door girl à l'époque, m'appelait Rita Baga. Alors j'ai décidé de changer pour Rita Baga. Voilà, c'est le même c'est arrivé. Ben, les gens que je connais depuis plus de 16 ans, des fois, m'appellent encore Rita de Marde. Vous, c'est pas le cas, vous n'avez pas le droit de m'appeler Marde. Rita, waouh, t'es trop belle. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a déjà dit que tu ressemblais à Adèle? Ben oui. Je l'ai fait souvent, Adèle. Je l'ai fait d'ailleurs à chaque spectacle créature. Et, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, je l'ai dit hier. Ma tournée, ça fait 2 ans qu'elle se promène partout. On arrive à 100 spectacles cet été déjà. La 100e représentation, elle est gratuite à l'extérieur pendant le festival Juste pour rire. Il rentre 25 000 personnes, donc vous êtes les bienvenus si ça vous tente. C'est une version améliorée avec danseurs et invités. J'ai Yves Pépeltier qui est là, Kim Richardson, Joe Bocan, des danseurs, des feux de Bengale, des lynx. Ça va être écœurant. Fait que oui, je fais Adèle depuis 2011 déjà, mais moi j'aime ça me maquiller beaucoup, comprenez-vous. Fait que quand je la fais, il faut que je me maquille moins, puis c'est plus long. Changer un petit peu mes traits. Mais j'ai déjà fait des spectacles complets de Adèle. Thank you so much for making one of my dreams come true. Merci. Dernière question, elle va encore là? Je t'aime, je t'adore, veux-tu être mon ami? 5$, 20$ pour une photo. Ben non, c'est fin. Table 54, Daniel. Allô, Daniel! Veux-tu être mon ami? Oui! C'est réglé. Hey, je t'envoie 2 autres de mes amis, Trace Trash et Lady Bonbon! Là, on va vous laisser le temps de dégourdir les jambes, aller à la salle de bain, aller au bar, danser sur la musique de DJ Phil.